J'en connais un qui va être content, c'est son cadeau de Noël. Son pédalier qui vient d'arriver, je devais attendre entre 11h et 14h. Donc il est 11h, c'est parfait. Je vais mettre ça, il est en cours. C'est hyper lourd par contre. Bonjour au fait, comment allez-vous? On se met ça ici, comme ça. J'ai décidé aujourd'hui, parce que j'attends pas de tout avoir, sinon je vous montrerai jamais, je vais vous montrer une partie du nouvel aménagement du salon. La deuxième partie, le meuble que vous avez vu que j'ai acheté, va être livré ce soir. Donc ça sera soit dans une autre vidéo, soit dans la même si je fais sur deux jours. Mais déjà cette partie, sachant que cette partie n'est pas terminée, il y a encore d'autres choses qui vont être mises, mais ça va quand même vous donner un bel indicateur. Là, j'ai reçu un message m'informant que mes lunettes étaient arrivées, enfin étaient réparées, la monture, non pas réparée, carrément changée. J'ai également ça, j'ai reçu tous mes cartons pour les box. Il va falloir que j'enlève parce que ça encombre un petit peu quand même. Voilà, t'as la palette qui est là et du coup quand tu rentres ici, c'est un petit peu compliqué quand même. Alors je suis un petit peu confuse concernant, pour toutes les personnes qui suivent ma... Ah bah non, mais c'est pas vrai, il m'a miaulé quand... Bon, je le rappelle, là, il est toujours... Il miaule en même temps qu'il baille. Je suis un peu confuse concernant la communication sur la box de janvier. Box qui est encore en commande pendant quelques jours, jusqu'au 10 inclus. Donc vous pouvez la commander jusqu'au 10 à 23h59. J'ai été tellement prise dans tout et j'attendais le dernier article comme j'en ai parlé en story. Je voulais absolument bosser avec cette marque depuis très longtemps et ça y est, ça se fait. Donc ça sera dans la box de janvier, c'est cool. Et voilà, en décembre, j'ai eu... Je vous en ai pas parlé forcément, enfin un peu quand même. Mais j'ai dû m'occuper de beaucoup de choses, notamment avec ma maman. Et pareil, là, en janvier, ça va continuer. Je suis pas mal prise, mais j'arrive à gérer les deux. Mais ce qui fait que j'étais un petit peu sous l'eau, je dois vous admettre. Et peut-être aussi après les fêtes, après tout ça. Je vais lui donner un petit peu de croquettes, sinon... Dans un premier temps, je vous explique. Le canapé, comme vous l'aurez peut-être remarqué, on l'a mis, on l'a centré par rapport à la télé. Ça laisse beaucoup plus de place. Je fais exprès de cacher pour gagner un petit peu le suspense. Ici, donc, le canapé, il était vraiment collé au bout. J'ai retiré tout ce qu'il y avait ici. Donc, il y a des choses qui sont à droite. Pour laisser la place au meuble qui va arriver ce soir. C'est un meuble qui va arriver, il fait 1 mètre par 1 mètre, c'est un carré. Hein. Il va arriver à peu près ici, ce qui est top. Pour laisser la place, mettre des lampes, des petits bibelots. Voilà, ça va faire tout ça, je pense, comme ça. Arrête! Ça va bouger parce que trop large. Là, ça, je vais la garder. Cette partie qui n'est absolument pas finie, je pense que je mettrai des petits tapis, ce genre de choses. J'ai laissé ce meuble, je trouve que c'est sympa, sur laquelle bah, je mets l'enceinte connectée. Le lampadaire qui était de l'autre côté, je trouve qu'ici, ça rend bien avec les faisceaux. J'allumais, hein, même s'il est 11h du matin. La console, parce que oui, j'ai trouvé la console, j'ai changé les boutons. Je fais des tests, je voulais mettre doré. Ça, c'est ceux que j'avais à la maison, mais ça sera peut-être d'autres. Mais je voulais pas ceux qui étaient initialement proposés. C'est la même console que j'ai sur ma coiffeuse, que j'ai eu à But. Elle est de style baroque, on va dire. J'ai dans l'idée de mettre un cadre plutôt haut. Je vais pas mettre de miroir parce qu'il y en a déjà un là-bas. Le miroir qui était dans la chambre, le magnifique miroir, donc celui-ci, je l'avais eu à Noël, il y a 2 ans peut-être, Maison du Monde. Je trouve qu'il rend tellement bien. Forcément, un miroir, ça agrandit une pièce, ça donne une perspective. J'ai posé au sol ma lampe plume blanche que j'ai eue chez 4 murs. Ici, c'est le... Oh, attention. Le coussin, le nouveau coussin que j'ai eu à 50% d'ailleurs, à Maison du Monde. Je trouve que c'est ravissant. Je vais vous montrer aussi, quand elle n'est pas allumée... Voilà, on la voit quand même mieux, ma petite lampe. J'adore. Et je trouve qu'effectivement, poser au sol, bah, c'est un autre charme. Hein. Du coup, dans la chambre, bah, je vais mettre à la place de celui-ci le grand miroir blanc qui est dans mon autre pièce en haut que j'utilise pas trop, donc autant la mettre là où était celui-ci. Le grand pouf que j'ai eu également à Noël de chez Maison du Monde rend très bien. Le tapis qui est ici, je vais le changer. Je vais en mettre un beaucoup plus grand et plus neutre. Et déjà, vous verriez le soir, ça fait une ambiance exactement celle que je voulais. Chaleureuse, cocooning, t'as envie de te poser. C'est très beau. On est encore en phase de test. Hein. Il est possible que ça switch, ça aille là, le meuble ici, que je rajoute des petites choses. Le meuble, ça va être sympa parce que je vais vraiment le centrer par rapport au miroir, de façon à avoir des petits jeux à droite et à gauche. Et le soir, c'est franchement agréable. C'est vraiment ce que je voulais, ce côté chaleureux, cocooning, tu te sens bien. Hein, mon chat? Voilà. Je suis à contre-jour.
Là, je me demandais si je ne pourrais pas mettre un petit tapis rectangulaire juste en dessous de la coiffeuse. J'ai essayé avec des chaises et tout, ça alourdit. Même un petit tabouret. Mais voilà, on est vraiment en phase de test, vous l'aurez compris. Le miroir, j'aime trop. C'est sa place. Hein. Évidemment, bah, j'ai hâte hein, de voir la suite. Pour le moment, je vais peut-être partir vu que le livreur est passé. Chercher mes... Ah mais non, j'ai un rendez-vous à 11h avec une marque. Ah bah oui, ah bah non, bon, bah j'attends que la marque m'appelle. Je vous montre quelque chose, j'étais en train de chercher Jack, et je l'ai trouvé. Il m'a fait flipper, je vous avouerai. Qu'est-ce que tu fais là, Madouille? Tu te mets jamais ici? T'es caché? Fais voir. Pourtant, il est pas hyper chaud, là. Qu'est-ce que tu fais derrière ta porte? T'es pas content, hein? Il aime pas quand... Bah, il aime pas. Ils aiment pas, hein, les chats en général, quand on bouge les meubles, ça les perturbe. Et Jack est quand même un chat qui est très, très, très vite perturbé. Bon, le bébé, ça ronronne? Bien sûr, ça ronronne. C'est un gentil bébé. Mais oui. Oh non, il vient de rentrer. Il a découvert son cadeau. D'accord, donc tu ne peux plus parler, là. Mais tu sais que t'as cours, quand même. Tu dois aller au boulot, sa famille. T'es au courant? Bon, c'est vendredi. Dernière ligne droite. Tu filmes tout, t'enregistres bien parce que je veux faire un unboxing. Non, 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 bah, je veux pas faire un unboxing de ton pédalier sur ma chaîne. Si Oui, si, bah, les gens s'y intéressent, bien sûr. Du coup, j'ai même pas été chercher mes lunettes. Bon, il est midi, j'irai tout à l'heure. Ouais, et puis le plus important. Ouais, c'est clair. Ciseaux. C'est quand même dingue que je reçois un paquet qui a été envoyé par une société qui fabrique des voitures de course. N'empêche, ça a mis 15 jours hein, entre Noël et t'as été patient. Hein. Très patient. Peut-être trop patient, dirais-je. Ouais. Regarde. Technopole, Magny-Cours, France. Donc c'est fabriqué sur le circuit de Magny-Cours. Ah oui. Et alors là, regarde quand tu sors ça, c'est la folie. Qu'est-ce qui est marqué? Beaten by Raspberry. Mordu par l'esprit de la course. Si j'arrive pas à sortir le paquet. Qu'est-ce qui est marqué? Officielle, licence officielle. Ce qui veut dire que les normes appliquées sur la construction et la réalisation de ce produit sont les mêmes que celles demandées sur une vraie voiture de course. Ok. C'est les mêmes. Attention. Oh, oh la beauté du truc. Eh ben, il ne faut pas grand chose. Tu rigoles ou quoi? Bah, il est beau. Oh, regarde, c'est la sortie, mon dernier. Ouais, elles sont belles. Hein. Wow. Ouais, j'avoue. C'est du costaud. Hein. Ah, c'est du luxe. Hein. Elles ont cette forme en V. Ouais. Parce qu'à l'origine, elles sont placées dans des monocoques, des monoplaces, pardon, qui ont une coque qui est très serrée à l'avant. Mmh. Et comme elle est très serrée, qu'elle fait cette forme-là, pour épouser, qu'on puisse mettre ses pieds, les pédaliers dans les monoplaces ont une forme en V comme ça qui remonte. Okay. Ouais, tu es directement le directeur. Et Ouais, je vais pas négocier avec lui parce que ça vous intéresserait pas, ça, lors d'une box. En cadeau box gold. Et là, la box, c'est tombé une pour toute l'année. Hein. Ben non, là par exemple, tu sais combien il coûte? Le cadeau de la box gold, là, de ce mois-ci, il est à 190€ le portefeuille quand même. Eh oui. Que je suis au courant parce que je l'ai mis sur le site. Oui, c'est vrai, il m'aide sur la structure, c'est vrai. C'est vrai. À quelle heure je l'ai mis ce matin sur le site? Ouais, tu l'as fait tôt, j'avoue. Bah, parce que c'était pour toi, mais pour toi, rien de trop beau. Mais c'est vrai, t'as géré. Voilà, je vais monter tout de suite. Mais il faut qu'on mange. Mais non, mais je vais manger, mais cet après-midi quand je reviens. Ah bah bien sûr. Bon allez, vamos à comer. J'ai une réunion à 14h30. J'avais complètement oublié et il faut que je mette en bas au niveau de la luminosité. Je suis en train de me dire qu'Eric en a foutu partout. Il est reparti au lycée. Avec son montage de ses pédales, ça va être super en fond. Et en fait, ma réunion commence dans 3 minutes. Je mets ça pour caler. Ah mais non, c'est même pas... Ah si, ça, c'est... Oh non, regardez, il y en a partout. Il y a encore le café. La boîte à outils. T'aurais pas pu m'aider, toi, Jack, non? Tu ranges pas? Tu ranges pas les affaires? Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on voit? Quand je me rends compte que mes cheveux sont aussi attachés à la one again. Ça, il m'en a foutu partout. La robe de chambre, le machin. Et puis, on va mettre ça ici, là. Vous voyez les coulisses? Bon, voilà. Par contre, non! Pas pendant le live. Hein. Je vous dis, j'avais complètement oublié la réunion. Calepin, crayon, évidemment. Coiffure, ok. Voilà, vite fait. Hein. J'étais en plein dans le montage. Et j'ai eu mon petit rappel. Heureusement, je note tout le rendez-vous quand même. Mais mon rappel, il s'est fait genre 10 minutes avant. C'est formidable. Bref, je vais installer tout. Quand je dis c'est un live, c'est une réunion.
Je suis en pantalon de pyjama, pantalon à l'aise à la maison. Je pense que ça ne se verra pas. Non, c'est bon. Impeccable. Accéder. Voilà. Visio terminée. J'étais en fait avec la plateforme qui gère mon site et on a fait vraiment un point sur ces derniers mois. Et c'est vrai que quand t'es dans le jus, enfin moi je suis dedans, j'ai le nez dedans, je m'en rends pas compte. Et en fait, ils m'ont dit que il y avait une très belle croissance. Ma box avait une très belle croissance. C'est vrai que bon, je voyais qu'il y a beaucoup de ventes, mais je pensais pas que c'était autant. Donc ça fait tellement plaisir. Et il va y avoir des choses qui vont changer. Ils vont faire une refonte de mon site, c'est-à-dire qu'ils vont encore l'améliorer visuellement, à tout point de vue. Je pense que d'ici quelques mois, on est en train de regarder là-dessus. Je vais garder, bien évidemment, l'abonnement, la box, mais je vais ouvrir en plus le shop. Mais pas le shop comme on voit partout, c'est-à-dire je vais mettre en vente tout ce que vous allez trouver dans les box. Non, je vais créer comme une boutique exclusive avec des produits, de très beaux produits. Donc, il faut que ce soit toujours cohérent avec la box, des produits de niche, on va dire. Et j'ai hâte, ça fait super plaisir. Vous entendez du bruit, c'est Eric. Il est rentré du lycée, forcément, il est en train de monter son pédalier à fond la caisse. En ce qui concerne le reste de la déco, comme vous le savez, les gars, ils m'ont dit qu'ils me livraient après leur travail. Donc, ça va être sur vers 19h, peut-être qu'ils vont passer. Ce qui veut dire que demain samedi, je vais tout aménager. Je vais le filmer et vous aurez la suite en fait de l'aménagement dans la vidéo, je pense, qui sortira dimanche. Et ça, c'est très cool. J'espère que ça va rendre bien, j'espère que ça va pas faire trop lourd. J'espère plein de choses en fait. Jack ? Voilà. Tu es poli, tu viens sur le lit, on va clôturer. Viens, viens, viens baby. Jack ? Je suis en train de me voir en retour caméra. Et qu'est-ce que je vois ? Mes lunettes. Et à quoi je pense ? Caro, tu n'as toujours pas été chercher tes lunettes. Demain et samedi, on sera ouvert. Jack, nous t'attendons tous. T'en fais qu'à ta tête. Ah bah si, regardez. Donc ici, ça fait vide. Hein. Tout de suite, il n'y a plus le miroir. Le mur, ça c'est à force de déplacer le miroir. Ça a fait des tapes. Soit je réussis avec la gomme magique. Bon bref, de toute façon vous verrez également, je vais monter. Je vais demander à Eric qui met, parce qu'il est lourd. Le grand miroir blanc. Ça va être sympa, je pense aussi. Et voilà. Bisous, bisous. Et à dimanche, puisque Jack ne veut pas. Ah, on a vu la petite queue qui se balade. Bisous.